C'est le prêtre de la paroisse qui est à l'origine de cette initiative. Il dit vouloir répondre à une attente. Johnny Hallyday reçoit une victoire de la musique, à Paris, le 12 février 2016. Bertrand Huet AFP, la mémoire de Johnny Hallyday résonnera dans l'église de la Madeleine à Paris chaque 9 du mois. Ainsi en a décidé le père de la paroisse. Dans un entretien accordé à La Croix, bien abonné, le père Bruno Horeist dit vouloir essayer de répondre à une attente. Depuis le décès de l'artiste le 5 décembre dernier, nous en sommes déjà au 5e livre d'or dans l'église, explique-t-il. Je vois des gens qui ont besoin de s'exprimer, qui livrent des témoignages d'affection. Beaucoup de fans de l'artiste viennent brûler des cierges et ont été frustrés de ne pas pouvoir participer à l'hommage national. Père Bruno Horeist à La Croix, un hommage dans la décence. La première messe en hommage au chanteur a eu lieu mardi 9 janvier. La prochaine se tiendra le 9 mars. Concrètement, nous lirons évidemment les textes du jour, mais nous y ajouterons une des intentions de prière qui avait été dite lors de ses obsèques, ainsi que la prière de Mère Teresa sur la vie, explique le prêtre. Le nom du chanteur sera également cité au moment des intercessions et l'organiste jouera peut-être quelques airs, mais cela reste une messe de semaine traditionnelle. Il s'agit de rendre un hommage dans la décence en clair, je ne vais pas mettre une photo de Johnny à côté de celle de Jean-Paul II ou de Mère Teresa, tient à préciser le père Bruno Horeist.